commencer. J'arrive sur le clip de ma canne. Il y a plusieurs tailles de sion, donc ça va de 1 ose à presque 4 oses. Selon la taille du sion, c'est pas du tout la même souplesse. Pressez, voilà. Appuyez sur les extrémités pour démouler et vous avez une méthode chargée. Donc là, le plus dur dans la pêche au feeder, c'est de définir le bon pressage qui va vous permettre et à votre feeder de traverser la couche d'eau et une fois arrivé sur le fond, de se déliter rapidement. Soit un feeder cage qui est relativement ouvert, donc l'amorce va se désagréger beaucoup plus vite parce que le courant aura un effet beaucoup plus important sur le contenu du feeder et vous pouvez repasser en un quart de seconde, un montage, méthode ou feeder.